Bonjour, 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 hop, bonjour, Bonjour. voilà, là on est en live. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch de la Métech de Rezé, en Loire-Atlantique, la Métech d'Hydro. Bonjour Mélanie, Bonjour est-ce que tu veux te Clément. présenter peut-être? Ou Oui. pas, t'es pas obligée hein, pour le coup. Mélanie, bibliothécaire à la médiathèque d'Hydro depuis septembre. Voilà, et donc moi c'est Clément, bibliothécaire aussi depuis 2018, un peu plus de temps. Et bonjour Adrien Walker qui nous rejoint. Donc Clément, et je suis bibliothécaire en charge notamment des jeux vidéo. Et c'est avec cette casquette que je suis là aujourd'hui. Donc là on est ensemble, donc il est 18h, on est ensemble pour 1 heure à peu près, jusqu'à 19h. Et on va découvrir certains des nouveaux jeux de la médiathèque. Donc cette année on a acquis, À qui? une quarantaine de jeux à peu près pour la médiathèque. Et on va en montrer une petite dizaine pour des raisons techniques. On ne va vous montrer que ceux qu'on a pris sur PC, parce qu'on n'a pas de carte de capture pour montrer ceux qu'on a acquis sur Switch ou sur PS4, mais il y en a aussi des nouveaux là-dessus. Et puis ben voilà, hein, tout simplement. En gros. Donc installez-vous. Tranquillement, on va attendre ouais, 3 minutes, on va attendre 18h05. Akaliel, bonjour à toi. Installez-vous tranquillement. On a une petite dizaine de jeux dans la liste. On va sans doute pas tous les faire. On va jouer 10 minutes à chaque jeu à peu près. Moi, je n'en connais que deux auxquels j'ai joué. Toi, Mélanie, t'en Et connais moi, j'en aucun connais pour le coup. aucun. Donc c'est une découverte complète pour toi. Donc ouais, il y a une bonne partie, c'est des jeux solo, donc on va jouer chacun son tour, les découvrir. On va vous présenter aussi vite fait l'âge conseillé pour le jeu, par qui il est fait, quand est-ce qu'il est sorti, où est-ce que vous pouvez le trouver, à combien, si ça vous intéresse. Et on vous donnera quelques petites informations en attendant que les gens arrivent. Peut-être qu'on peut vous dire que la médiathèque est ouverte actuellement. Il y en a qui ne le savent Oui. pas trop. On est ouvert le mardi après-midi, le mercredi toute la journée, le vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Actuellement, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On a quelques règles quand même sanitaires qui font qu'on doit rester qu'une demi-heure sur place. Avoir le masque, à partir de 11 ans, obligatoire. Se désinfecter les mains. On conseille plutôt d'emprunter des livres plutôt qu'il y a sur place. Mais on est ouvert, donc n'hésitez pas à venir pour emprunter ou rendre des documents. L'abonnement est gratuit aussi depuis mars pour tous et toutes, quel que soit l'âge ou lieu de résidence. Bonjour Chili con Carno. Un nom qui revient souvent, Chili con Bonjour. Carno. Est-ce que c'est pas Antoine même? Je crois que c'est Antoine, mais j'ai un petit doute. La médiathèque est ouverte. Et après, bon, j'ai marqué deux, trois autres petites infos, mais on verra ça à la fin du live. Comme ça, ils sont obligés de rester pour les avoir. Malin. Exactement. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi à moi ou à Mélanie, on est là pour y répondre. Le teasing exactement, on est là pour y répondre. Est-ce que le son est bon quand moi je parle et quand Mélanie parle? Ou pas, Mélanie? Est-ce que tu peux juste une petite phrase juste que pour être sûr? Oui, bonsoir, nous allons jouer aux jeux vidéo. Merci Mélanie. Et bonjour, pour vous deux, c'est parfait. Merci Niamel, merci MMTLE. Les noms sans voyelle, c'est compliqué à prononcer. MMTLE. Bonjour maman, bonjour papa, si vous me regardez. Je suis à la télé du futur. Bonjour Cookie Monster. Incroyable, on a le Cookie Monster aussi. Ça se trouve, c'est papa ou maman du coup. Je pense pas. Répondent. Vu le nom, je ne pense pas. On va commencer tout de suite. Peut-être. Alors, on va passer sur la scène. Hop, découverte de jeu. Les loutres sont de retour. Ces jolies petites loutres. C'est mignon. Elles sont mignonnes, ces petites loutres. Hein. Il y avait le crédit de la personne aussi. Est-ce qu'il y a un jeu comme ça, quand je t'ai donné la liste, qui te le faisait plus envie que les autres ou pas? Simplement ou non Non, ou... pas forcément. Pas forcément. Eh bien, on va commencer par le premier de la liste. Il y a une sponsor. Non, il n'y a pas de sponsoriste. Effectivement, il y a une boîte d'édition de jeux de rôle qui s'appelle La Loutre Rôliste. Et effectivement, non, Ah. on n'est pas sponsorisé. Ça vend d'ornithorynque. Ouais, mais les ornithorynques, c'est un peu plus compliqué d'avoir des photos mignonnes d'ornithorynques. On va commencer par Vignette. Du coup, hop, qu'on lance tout de suite. Tac. Et normalement, il devrait arriver sur grand écran. Est-ce que tu veux commencer à tester? Allez, si tu veux. Allez, très bien. Je crois qu'il joue à la souris celui-ci. Donc Vignette, c'est un jeu qui est sorti en 2019, qui a été développé par Skeleton Business. Il est PEGI 3, hein, donc il est vraiment tout public pour le coup.
Et ça coûte 10€, ça se trouve sur Steam et sur mobile. Et par mobile, on entend Android et iOS. Voilà. Et est-ce que on va baisser un tout petit peu le son du jeu? Hop. Voilà, donc moi j'ai jamais joué à jeu, pour le coup. Donc voilà, je te laisse. Ça joue à la souris. Que à la souris? Je pense que c'est que à la souris, oui. Je clique. Vignette. Bah tiens, fais le petit engrenage, on va peut-être baisser encore un tout petit peu le son. Tu peux le mettre à moitié, je pense. Encore. Là, ça va ? Encore un petit peu plus. Même. Ouais, là, c'est pas mal. Ouais, ouais, très bien. Il a fait la flèche en bas, je pense. Alors, donc, vignette. Oh. Mais que faut-il faire pour lancer le jeu ? Encore. Ah. Alors c'est un jeu qui est prévu aussi pour les contacts tactiles pour le coup. Faut imaginer que c'est ton doigt à la souris, je pense. Et là tu peux cliquer. Il y a un bouton. Attends. De l'autre côté il y a un bouton. Et un autre bouton. Non. Qu'est-ce que c'est que cet œil? T'as fait un truc, mais je pense. Ok. Ouais, retourne-le peut-être. Ah oui. Il y a des boutons partout. Il y a des petits crochets qui bloquent. Ah, pas bête. C'est un peu psyché, hein. La musique, elle est angoissante, hein, non? On va faire des cauchemars. Alors, il y a la croix qui clignote en bas à droite. Ah, c'est pour dézoomer, peut-être. Ah oui, c'est ça. Okay. On peut zoomer, dézoomer. Il y a un petit côté The Room. The Room, c'est quoi comme jeu, The Room, Adri? Qu'est-ce que c'est? J'ai du mal à... Ah, il est quoi? C'est que c'est à l'intérieur, ce truc. Là, tu peux pas le tourner. Quand je zoome, ça... C'est quoi cet œil? Ça me perturbe. On ne peut rien faire avec. Et peut-être ce truc-là, là? Non, que dès que tu zoomes, ça... Ah si, attends, t'avais une petite flèche, là. Non? Est-ce qu'il est dispo sur tablette? Bah oui, j'imagine, chez Icon Carnot. Vu qu'il est dispo sur iOS et... sur iOS et sur Android, j'imagine qu'il est parfaitement disponible sur tablette, ouais. Le jeu t'invite à faire tourner le truc. Donc en fait, on connaît pas le jeu, hein, donc on va peut-être rester bloqué une heure là-dessus. J'espère que vous aimez les cubes colorés. Ça va être passionnant, vous allez voir. Alors... Ce serait pas dans, dans la partie jaune? Tu peux rien faire là-dedans? En fait, à chaque fois que je veux cliquer, tu vois, ça zoome toujours une loupe. Ouais. Et ça zoome là-dessus. Mais là, c'est qu'une vue, en fait. Je pense qu'il faut aligner les choses. Ah, aligner les choses pour créer le symbole de l'œil, nous dit Nimaël. Peut-être, effectivement. Ah oui, ça serait ça, du coup. Ça nous dirait de créer un symbole d'œil. Ouais, mais à chaque fois que je clique sur un truc... Non, mais mets-les bien... Ah, bah, tu vois, voilà. Pour qu'en fait, il fallait bien les aligner pour que ça fasse un œil vu de côté plat. Du coup, nous avons un coffre. Donc, c'est un jeu qui joue avec les perspectives. Un coffre, où est la clé? De ce que j'avais lu, c'était un jeu qui était bien pour les enfants, qui avait un peu un côté jeu à manipuler pour les enfants. Et effectivement, on peut... Oh bah, voilà des clés. Ah non! Mais qu'est-ce que c'est? Bon, on a perdu les clés. On se fera un bisou. Ah non, ok. Ah bah non, c'est bon. Ah bah, y'a pas besoin de clés. Oh, un téléphone! Merci à Moustix qui suit la chaîne. Incroyable, ça fonctionne. Oui. Ok, faut que je bascule aussi le téléphone. Un téléphone qui s'est transformé en casserole? En casserole, visiblement, oui. Une casserole très profonde. Qu'est-ce que je peux faire de cette casserole? T'as un truc qui vient à droite. Qu'est-ce que c'est? Ah! En quoi tu veux transformer la casserole? Enfin, je... Et t'as encore un autre qui clignote, normalement, c'est quoi? Oh là là!
On a débloqué des objets. Ça veut dire qu'il faudrait, il faudrait trouver tous les objets. Enfin, de. Comment dire toutes les possibilités de la casserole pour débloquer la clé. Ok. Donc je retourne. Ah, t'as peut-être la flèche. Je voulais retourner à la casserole, mais la casserole n'est pas. Je veux retourner à la casserole. Comment on fait? T'as peut-être l'œil là. Oh là non. Pas du tout. Oh, qu'est-ce que c'est? Non, quitte. Ou en haut à droite peut-être le. Non, ah, je vais quitter là. Ouais, peut-être. Ou le coffre. Ouais. Sur le coffre, on retourne à la vue du coffre. Tu veux essayer peut-être? Bah Clément. Oui, donne. Écoute. Hop. Ah, t'avais cliqué sur la serrure, ouais, pour l'ouvrir. Et donc là, il m'invite à faire ça. Toi, t'as fait un saladier. Moi, j'ai fait un saladier. On est sur le thème de la cuisine. Et là, il m'invite à le mettre droit. Par une lampe. Donc, c'est depuis le téléphone, en fait, qu'il faut faire des trucs. Pas depuis la casserole. Une ampoule. Et les musiques changent en fonction. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une ampoule? Ou alors votre objet est excentré. C'est-à-dire, Adri. Effectivement, je ne l'ai peut-être pas dit, il y a toujours un délai, des fois, de plusieurs secondes entre ce que les gens, écrivent et ce qu'on fait. D'accord. Du coup, des fois, quand ils disent à gauche, ah bah, en fait, on a déjà pris la droite. Et du coup. Ah, j'ai retrouvé la lampe. Ah, alors a priori, ils disent qu'il y a un problème de. Ah, le jeu est zoomé dans OBS. Ouais. Ah, alors attendez. On peut régler ça. Hop. Voilà, mais oui, mais complètement. Hop, voilà. Navré pour ce petit détail technique. Alors, nous recliquons là-dessus. Il y a moyen de faire un autre truc avec l'ampe, avec le. La lampe, mais comment retourner sur la lampe? Non, ça s'est clairement quitté, t'as raison. Non. Ah bah, tout simplement. Est-ce que ce serait pas ça? Si. Qu'est-ce que c'est? Un abat-jour? Un moteur? Un ventilateur. Un ventilateur. On vient sur la lampe. On peut faire un pneu? Oh non, un paillasson. Oh, c'est bizarre la façon dont ça devient plat. Mais ça garde un peu la courbure, c'est marrant. Ouais. Ok. Voilà, t'as fait tout ce que tu pouvais avec la lampe, non? Ah non. Non, il y en a encore deux. Deux avec la lampe, hein, c'est bien ouais. Ça. C'est ce que je comprends. Ouais. Et là, le ventilateur. Oula. Du ventilateur, on peut revenir à la casserole? Ah bah oui, si on met le côté... Et ça, qu'est-ce que c'est ça? On a fait ça? Bah non. Ou c'est le paillasson? C'est vraiment une forme bizarre de paillasson. Ils sont comment les paillassons chez toi? donc ça, ça fait la casserole, j'imagine. Non, même pas. Ah, ok, donc ça c'est la casserole. On va peut-être changer de jeu, hein. Ça fait 10 minutes qu'on est sur lui. Recentre, bon Dieu. C'est bon, Chigone Carnot, c'est recentré. C'est pas une loupe, ça? Non. Ça y ressemble. Mais... On peut faire une espèce de loupe. Ouais. Non, avec la profondeur. Ou ça... Bon, on va peut-être changer de jeu. Allez. Oh, la télé, incroyable. On vous laisse devant la un télé. Un vieux poste télé. Un vieux poste télévision. Magnifique. Et puis c'est plutôt. Qu'est-ce... On a peut-être trouvé un secret. Oh, je suis pas un talisman. Pas tout à fait. On a trouvé le talisman de la télévision à pattes de chien. Bon, en tout cas, voilà, c'était Vignette. Donc, un petit jeu, peut-être plutôt pour les plus jeunes.
Parce qu'effectivement, sur tablette, je pense que ça marche très bien de manipuler avec ses doigts pour faire tourner. Ouais. Trop jeune quand même. Oui, non, bien sûr, effectivement. C'est trop bien, j'ai envie d'y jouer maintenant. Bah écoute, Nîmes, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc ça coûte 10€, c'est pas très cher. Et effectivement, les jeux, c'est conseillé à partir de 6 ans, les jeux vidéo. Hop, quittons. Est-ce que c'est bien quitté? Oui, c'était bien quitté. On retrouve les loutres. Hop, on va cacher vignette et on va faire... Je choisis du coup? Ouais. Ou tu veux choisir? Non, c'est non, bon. Non, non, choisis ce que tu veux. Bah moi, j'ai bien envie de voir Symphonia. Symphonia, c'est un jeu... Hop, oui, c'est bon, je l'ai affiché. Où est-ce qu'il est? Là. Symphonia, c'est un jeu qui est bon, un peu particulier, non, ça a bien grand mot. Il a été créé par des étudiants de l'école ISART Digital. 13 étudiants, exactement. Ok. Qu'on crée le jeu. Récemment, cette année, il a obtenu le Pégase d'or. Donc le Pégase, c'est le... une récompense de... qui concerne les jeux vidéo français. Et il a eu le Pégase d'or du... Oui, c'est 8... Ouais, j'ai arrondi à 10€, effectivement. J'ai arrondi à 10€ pour le prix, mais effectivement, le vignette, c'est 8€. Mais c'est un peu pour nous aussi. Donc il y a eu le Pégase d'or du meilleur jeu étudiant. Symphonia, et il va bientôt sortir sur Steam, donc comme il a suffisamment marché pour qu'un projet étudiant devienne un jeu commercialisé. Et c'est un jeu qui va se baser sur la musique. Est-ce que tu veux l'essayer, celui-là? Si tu veux, ouais, bah, ou si tu veux prendre la... Tu peux prendre la... La manette. La manette, et appuyez sur le bouton A, c'est le bouton vert. Attends, je te remets sur le jeu. Hop, vas-y. Donc tu peux faire jouer, pareil, le bouton A pour sélectionner. Et donc Symphonia, de ce que j'ai vu, c'est un jeu de plateforme. C'est beau, c'est chouette. C'est très joli. Ouais. Et donc c'est un jeu, comme vous l'avez vu, qui va se baser sur le thème de la musique. J'avance, hein. Je sais pas ce que vas-y, je dois vas-y, faire, vas-y, mais... teste le jeu, il n'y a aucun souci. Donc A pour sauter, visiblement. Il y a une clochette, j'ai envie de... T'as envie de sauter. Mais non. Je crois qu'elle a teinté déjà un petit peu... donc Symphonia, c'est qui est sorti cette année par, par l'école ISART Digital. Oh, oula. Incroyable, t'as activé le mécanisme et du violon. Ah, si je garde le bouton appuyé et continue en fait. Bah, je pense qu'on peut arrêter là, c'est parfait. Donc, tu peux rester appuyé tout le temps. Non, j'adore, faire... je vais rester là. c'est joli. Et c'est un jeu qui est gratuit, que vous trouverez sur le site itch.io. Oh, regardez, c'est un site qui en anglais, c'est un peu particulier à obtenir, mais... Alors là, là, il te montre. Ok. Alors, ça veut dire que... Donc, L, c'est le joystick gauche. RT, c'est ce bouton-là, la grosse gâchette. Ok. Ah oui, quand tu l'as... Quand peut-être que je saute avant. Ouais. Et du coup, tu te fiches dans le velours. Ça ne fonctionne pas. Et il faut que tu sautes et tu fais... Ouais, je suis coincé en fait. Là... Oula. Et là, si tu fais A maintenant? Non, si je fais A, ou alors faut que je lâche. Et là, si tu fais vers le haut et RT? Je suis sur RT. En fait, dès que je lâche. Dès que je lâche RT, tu retombes. Ouais. Et si tu fais vers le haut et A en étant accroché? Non. Donc, on découvre encore une fois le jeu. Ah, vous avez ça, je vais le cacher. Voilà. Vers le haut et A. Bah, tu vois, il me fait un petit wouhou. Mais il se met de côté. Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse. RT. Une grosse clochette. Ah, là, il y a qui se prépare à sauter. Quand il se met comme ça. Si je fais A en maintenant la gâchette, ça ne fait rien. Si tu lâches et si je lâche la gâchette, je tombe. Même quand t'es vers le haut, tu tombes. Oui. Tu veux essayer? Il y a écrit RT plus L dans le fond, effectivement. Je sais pas ce que c'est L. L, c'est ce joystick-là. Ah, mais c'est okay. ce que tu faisais, je pense, pour t'orienter. Bah, il y a écrit RT plus L dans le fond, mais après, je peux pas vous dire. Allez. Donc A, ça fait rien. Si on lâche... On est bloqué au premier truc.
C'est marrant ça. Il y a une chauve-souris. Oui, effectivement, quand il est suspendu comme ça. RT plus L. Je suis quand même pas dingue. Ah oui, effectivement, en fait, on est complètement aveugle. Oui. En fait, ça, c'est le joystick gauche vers le. Ah, attends. Non. Là, on voit qu'il tend. Ah, c'est ça, en fait. Donc là, je saute, je m'accroche, je fais vers le bas. Et comme... tu propulses, en fait. Et je lâche RT. Ok. Et je suis propulsé, d'accord. Ok. Là, tu veux essayer celui-là ? Non, vas-y, vas-y. Alors. Tu fais même pas les jolies notes de musique. Ah, pardon. Ça me fait un petit peu penser à un jeu qu'on. Donc là, vers le bas et RT. Pour faire un petit coup de... d'archer. C'est un archer, c'est ça ? Ouais. Un petit coup d'archer. Et donc là, hop, pareil, je charge vers la droite et. Un petit coup d'archer. Oula, cette. Ça me fait penser au jeu Hollow Knight, qu'on a aussi, qui est un peu dans le même style, qui est vu de côté, où on joue un petit insecte pour le coup, mais c'est un peu pareil. Par où je dois aller là ? Tu dois pouvoir attraper. Ah, c'est bon. Et ça. On va pas prendre tous les secrets, hein. On est juste là pour tester vite fait les jeux. En tout cas, c'est très joli, l'univers est très, ouais, très sympa. Beaucoup. Donc, il est gratuit sur PC. Quand il sortira sur Switch, c'est possible qu'il devienne payant, pour le coup. Là, je peux pas planter. Ah non, je peux faire un saut vers l'eau, c'est vrai. Oh là, mais le monde s'effondre. Et là, vous voyez qu'il y a des gros pics en bas à droite. Je pense que c'est un peu méchant. Faut pas se louper. Ouais, on va éviter de. Bon, on va tomber dedans un jour, hein, c'est sûr, mais. Et là, on peut s'envoler de notre cap. Ah, c'est très sympa que tous les. Tu vois que les espèces de. C'est les grelots qui tombent dessus. C'est. Oh oui. Avec les espèces de tuyaux d'orgue. Ouais. C'est pas pour moi. Donc là, alors, j'ai mis un paquet de 7 ans pour le coup, pour celui-ci. Il n'a pas de PEGI officiel vu qu'il n'est pas officiellement sorti. Hein. Je me dis qu'à 6 ans, peut-être que bon, 3 ans ou 6 ans, peut-être qu'on est un peu petit pour jouer à ça et que ça va être un peu compliqué. Oh! C'est nous. Nous sommes Philemon. Uh-huh. Le légendaire musicien Philemon. En tout cas, ça nous ressemble pas mal. Oh. Tu vas tout casser. J'aime pas les bambous. Le cœur de symphonie. Qu'est-ce que c'est ? Avec ces petites partitions qui s'envolent, là, c'est très joli. Ouais. Il y a vraiment... Oula. Donc là... bien. Ça semble un peu cassé. Un peu déçu. Non, je vais descendre. Et donc là, bah, montons là-dedans. Dans cette cloche ascenseur. Donc, effectivement, il avait... Enfin, son univers qui avait quand même un peu tapé dans l'œil du jury des Pégases d'or. Et... Ouais, c'est pas étonnant. Ça se comprend tout à fait. Le palais ensommeillé. Ouais, là, ton ombre ne t'a pas montré comment faire. Non, mon ombre. Ah, faut donner des coups. Des petits coups d'archer avec RT toujours.
Qu'est-ce qui sommeille à chaque fois? Ouais, ah, c'est les petits. ZZZZ. C'est les petits automates moitié. Non, on peut pas les réveiller. Réveille-toi. Mauvaise idée. Ah non. Voilà, bon, c'était sûr que ça allait arriver. On allait forcément toucher un pic un jour. Ça va, tu reprends là, c'est sympa. Oui, ça va, ça fait de bien pire. Par contre, un coup vers le bas, peut-être. Ça me paraît un peu. Ah! Je suis pas très très bon au jeu de plateforme. Est-ce que tu veux essayer? Ouais. Il faut faire quoi? Faut juste sauter? Alors tu fais vers le bas et un coup la grosse gâchette pour te propulser en l'air. RT? Ouais, mais vers le bas d'abord. Et là tu fais RT. Et du coup ça te propulse en l'air et après tu te diriges avec okay. Le joystick pour un coup vers le bas puis après tu te déplaces. Et du coup si tu restes trop longtemps là-dessus ça tombe. Ok, il m'arrive rien, tout va bien. Tout va bien. Là, ça va. Ok, donc c'est là. Et... Ah, dommage, presque. C'était un poil trop sur la plateforme, j'ai l'impression. En dehors de la plateforme. Merci. Oui, bravo. J'allais te pointer le fait, mais je n'osais pas trop te déranger. Et en gros, il y a des montagnes d'automates qui sont désactivées derrière, là, tu vois. Ouais, mais on sait pas trop s'ils sont sympas ou pas, quoi. Non, effectivement. Peut-être que ça va être les premiers ennemis du jeu. Ah, les réveiller. Oh, bah, il y en a un en plein milieu, là. Fais un coup de vieux. Oh, un piano, c'est trop bien. Oula. Bien, un piano géant. Bon, c'est un peu risqué aussi, peut-être. J'ai envie d'aller récupérer les pièces. Oh, trop bien! C'est génial. Je vais te récupérer. La cupidité. C'est trop bien. Tu t'en décales. Ah, ça tourne. Alors. Je vais faire au bon moment. Oh là! Oh, bravo! Oh. Comment t'as fait déjà t'as... Alors tu vas vers le bas et tu lâches. Je lâche quoi? La gâchette. En fait tu vas vers le bas pour charger vers le haut. Okay. Et tu lâches la gâchette pour te catapulter. Je tombe ou... Ah bah non. Ah, non. C'était pas une idée. C'était pas une bonne idée. Est-ce qu'on change de jeu? Ça fait combien de temps qu'on avait fait? Je sais pas, ça fait... Oui, on peut changer de jeu, il est 30. Bonjour Rours. Bonjour 17. Mister Ours, 017. Mister Ours. Ouais, mais c'est vrai que quand il n'y a pas de majuscule et tout, ça peut être un peu compliqué. Donc tu peux faire les trois petites barres ici, je pense, et menu principal avec le joystick et A. Et dans menu principal, tu auras quitté, je pense. Là, tu fais oui. Et tu appuies sur A. Oh, les petits automates, hein, ils sont en bas à droite, et à quitter. Donc voilà, c'était Symphonia. Très chouette. Très chouette, très joli. Hop. Allez, je l'ai teasé, on va faire Pupicross. Pupicross, alors c'est super. Je l'ai teasé parce que j'en ai parlé dans le tweet que j'ai fait pour prévenir qu'il y aurait cette émission. Okay. C'est que Pupicross, c'est un jeu qui est comme Symphonia, qui est un jeu français pour le coup. Du coup, j'ai prévenu la développeuse qu'on allait parler de son jeu. Pupicross. Un jeu qui est sorti l'année dernière, en 2020, qui est développé par Dimanche Corp, qui est donc par deux développeurs, enfin une développeur et une développeuse. Peggy 3, ça coûte 10€ sur Steam, ils voulaient le sortir sur Switch, je crois qu'il y a eu des soucis, qu'ils n'arrivaient pas à contacter Nintendo, un truc comme ça pour la sortir. Et je trouve que la musique du menu est géniale. À l'ancienne, quoi. Je trouve que c'est une super musique de menu, t'as juste envie de... Et ce petit chien est trop mignon. Donc, et c'est un jeu merveilleux, nous dit Adrien Walker. Alors... Donc là, ça se joue à la souris. Il y a plein de toutous. Donc, j'ai fait le premier niveau juste, mais on peut le refaire ensemble. Hop. Enfin, j'ai fait les trois premiers, d'accord, j'avoue. Il est trop mignon. Et j'ai fait les trois premiers parce que j'ai... Bah, en fait, j'ai pas réussi... Enfin, j'ai enchaîné les trois premiers parce que c'est vraiment super comme okay. jeu. Ok, vraiment... tu t'en es pas rendu compte. C'est ça, c'est vraiment... j'ai envie de continuer. Les règles du Picross sont relativement simples. On a cette grille, donc, et il faut noircir... Ah, quoi ? Ah,
Il faut noircir ou non des cases. Et pour ce faire, les indices qu'on a, c'est ce qu'il y a en haut. Là, ça nous dit qu'il y a 5 cellules d'affilée qui sont noires. Ok. Noir, pas noir. Et là, il y a 3 cellules d'affilée qui sont noires. Vu que c'est une grille en 5 par 5. Ça, ça va. C'est pas trop compliqué. Ça, ça va. Et on voit que... Donc là, les indices sont grisés, ça veut dire que c'est bon, on les a fait. Hop, on les fait aussi. Et là, donc, on a réussi le premier puzzle. Ah qui oui, est... c'est ça un niveau. Oui. Ah, d'accord. Qui est une balle. On a fait une balle. Et cette balle ensuite, hop, ah non. On a fait une balle, comment ça on a fait une balle? Et bah cette balle, après on peut la mettre dans notre jardin. Ah, pour jouer avec notre chien. Exactement. On a le petit toutou, et on peut mettre une balle. Je vais te laisser faire les autres si tu on veux. On a Adri Dreamwalker qui dit qu'il y a un... Pour le con des chats. Effectivement. Ouais, il y en a d'autres sur les chats, effectivement, j'avais vu ça. Je ne l'ai pas trouvé dans... Peut-être que j'ai pas débloqué... On n'a pas débloqué vu que c'est la suite du jeu, peut-être. Je te laisse faire lui, du coup. Alors, pourquoi là, il y a deux... Alors là, effectivement, enfin, du coup, j'ai passé le tuto. C'est qu'il y a un... Il y en a trois, un espace et une. Ok. Et le petit jeu, c'est de deviner un petit peu qu'est-ce que c'est. Débloqué. Un hamburger. Un hamburger, non, je l'aurais pas trouvé. Donc, faut faire quoi là? Ouais, celui-là. Et t'as la suite des news. Ok. Donc, tu peux faire lui qui est le troisième, puis après on les. Ah, c'est celui-là qu'on a fait. Ouais, on a fait l'hamburger. Et... Ah. Donc là, là c'est... ça se complique. Là, il n'y a pas de 5 déjà. Peut-être qu'on a le mode. Bah, tu me disais qu'il y avait un espace et. Bah, en fait, ah, bah là... oui, non, non, c'est moi, autant pour moi. Là, on, doit avoir, on a peut-être le mode activé qui te dit quand tu fais une erreur. Ouais. Ça sympa. Ça désactive, je pense. Donc, il y a forcément qu'un espace. C'est ça, donc là, ça veut dire qu'il y a forcément rien ici et là. Mais parce par que contre. Ça peut être lui ou lui ou lui. Ah, donc il n'y a pas qu'un seul espace. Non, il y a un espace de. On ne sait pas de combien. Quoi. C'est ça, exactement. Ok. Tentons, hein. Oh non, le petit chien est déçu quand on loupe en fait. Oh non, c'est horrible. Arrête de décevoir le petit chien. Monstre. 3. Oh oui. Qu'est-ce que c'est? Un crabe. T'es très bien. Ah non. Et donc c'est un mélange de Picross. Et de chiens, du coup, c'est Puppy Cross. Parce qu'on met des chiots, c'est plus mignon. Et donc là, du coup, ceux-là, je les connais pas, du coup. Et effectivement, quand. Oula. Et du coup, donc quand j'ai. Attends, déjà, il y a combien de cases? J'ai pas mes lunettes. Ça va être 10 par 10, je pense. Ouais, c'est 10 par 10. Déjà, je triche. Hein. Voilà. Et donc là, tu vois, il y a plein d'espace, ouais. J'imagine, entre les 4-1. Donc là, s'il y en a 6, mais ça veut pas dire qu'il démarre d'ici. Non. C'est ça. Ça. C'est. Pour le coup, c'est presque sûr que celui d'en dessous est. Ouais. Enfin, que les deux d'en dessous le sont. Parce que c'est. Ok. Et encore un. Encore un, ouais. J'en ai que 5 là ? Là, t'en as 5, ouais. Et en même temps, la ligne m'aide à. Oui, la ligne bleue, c'est 5 du coup. Ok. Donc, 1. Ah, on sait pas non plus combien il y avait. Si tu fais un clic droit, je crois, ça met une croix rouge comme ça. Oh non, petit chien. Trop déçu. C'est vrai qu'elle est cool la musique. Hein. C'est bien la musique. Je sais hein. Pas si tout le monde entend bien. On peut monter un petit peu le son de la musique. Peut-être. Est-ce que tu peux aller là avec ta souris? Ouais, tu peux juste monter un petit peu la barre. Ça va? Ça me dit quand c'est. Bon, là c'est bien là, ouais. Alors, là t'as un deuxième 6 sur la droite. On entend bien la musique. T'as un deuxième 6. Est-ce que c'est pas le même que celui de gauche peut-être? Ouais. Après. Et donc là tu sais que t'as un deuxième 4 dans cette colonne là. Et que lui, donc là forcément c'est 3 là du coup. Est-ce que ce serait pas un autre petit chien? Un autre petit chien? On est en train de lui faire un copain? Bah peut-être. Ça serait un peu les oreilles sur les côtés. Ah. On peut aussi marcher 5. Comme ça, tu peux tenter de deviner quel truc. Alors est-ce qu'il est en haut? Non, t'en as 5 là, effectivement, ouais. T'en as 5. Et donc t'as forcément un espace 2. En dessous. Ah, j'ai peur.
cœur. Oh, oh non. Oh, bon, tiens, allez. Et est-ce que le but c'est de le faire le plus vite possible ou c'est juste parce qu'on a 10 minutes max? Alors non, compte, non, c'est le 10 minutes c'est pour donner une idée de temps de résolution, mais tu peux y dépasser. Ok. C'est un jeu qui se veut quand même, je crois, assez sympa et qui te stresse pas. Ah, c'est carrément un autre toutou. Si, t'as son, t'as son œil là. À droite, t'as l'œil. Ah. T'as les deux oreilles. Et alors, en toute logique, il m'en faut un. Ah, là, il y a le 4. Il y aurait une symétrie avec. Donc là. Non, bah j'en ai pris un de trop. Oh là 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 là. La langue est chiant. Et qu'est-ce qu'il manque ? Celui-ci, ouais. Oh, un autre toutou ! Faut trouver la race du chien. Ouais, bah dis-moi, genre. Un Jack Russell, c'était évident. Bien sûr. Je connais très bien en chien. Je fais le suivant ? Allez, vas-y. J'aime beaucoup le Picross. Oh mon dieu, un Jack Russell, vite ! On peut jouer avec lui. Il est où ? Oups. Pardon, j'ai peut-être effacé un message sans faire exprès. Là ! Un nouveau copain ! Oh, il est trop mignon, il est trop content. Il peut lui faire des papouilles. En faisant des clics droit dessus. Oh. Oh, trop de love, quoi. Oh. Il reste combien de temps de live ? 20 minutes, c'est bon. Tu vas faire des papouilles jusqu'à la fin. Il a pris la balle, pardon, petit chien. Allez, j'en fais un. Et après, on change de jeu. Il va être impossible en ce moment. Alors, donc il y a... C'est 10 par 10. Oui, ouais. Toujours. Ok. Et donc là, il y a 8. Mmh. Mais c'est nul. Tac. Ah. Ah. Est-ce que... Ok. Donc là, il y a... Donc ça et ça, c'en est pas, c'est sûr, ni ça. Parce que vu que c'est deux, c'est forcément autour de ça. 6. Bah 6 et 6. 1, donc là il n'y a rien. Attends, mais comment je fais? Ah bah si, je fais 3 là. Bon, en fait, c'est toi qui ajoutes les croix rouges là. Oui, je fais un clic droit pour ajouter les croix rouges. C'est vachement bien. Je te l'ai dit tout à l'heure, t'as peut-être pas entendu. Ah bah non, j'ai pas entendu, pardon. Pas de soucis. Et c'est un autre chien? Un tout petit chien? Un teckel. Des petits chiens saucisses. 6 comme ça. Bah oui, mais c'est carrément un chien. Tu vas beaucoup plus vite là. 2 minutes, c'est plié. Qu'est-ce que c'est comme toutou? Un teckel, bravo! Et voilà. T'as l'œil pour. T'as vraiment l'œil pour les animaux. Le teckel dans l'air de jeu, incroyable. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais rajouter le teckel. J'ai la balle. Alors, le teckel, hop. Il prend la balle tout de suite. On va leur redonner une balle. Des os, c'est plus hamburger. Parce qu'il mérite bien. Mais hamburger? Ouais, je suis pas sûr que ce soit très très bien pour les chiens, l'hamburger. Je pense pas, mais. On va dire que c'est horrible de vous regarder faire du Picross. Pourquoi c'est horrible de regarder faire du Picross, Nimaël? Il a envie de jouer. Ou alors, on joue trop mal et... c'est possible. Voilà, donc c'était plus Picross. C'est pas dans FPS qu'on peut débloquer un TKL. Et oui, c'est pas dans tous les jeux qu'on débloque un TKL, effectivement. Donc plus Picross, 10€ sur Steam à peu près. C'est grave joli. Et aussi sur itch.io si vous voulez. Bon, Steam c'est un peu plus simple, c'est pour ça que j'ai mis Steam en avant. Tac tac tac. On peut faire. Est-ce que tu. On va faire ensemble. Allez. Hop, on va faire Unruly Heroes. Hop. Quel accent. Ah oui. Je t'inviterai plus du tout au live. Ah si, c'est bien. Ah. Donc Unruly Heroes, comme Antoine le dit juste avant là, ça ressemble à Rayman Legends. Est-ce que tu vois ce que c'est Rayman ou pas? Rayman, le petit personnage? Ouais. Que t'avais l'impression que les membres n'étaient pas accrochés? Bah c'est le cas en fait, c'est pas une impression, c'est littéralement le cas.
C'est un jeu du coup de plateforme avec un petit peu de combat, okay. vu de côté, où on joue un ou plusieurs personnages qui vont aller de gauche à droite du niveau en affrontant les ennemis, en résolvant des petites énigmes, je pense, et en évitant les pièges, etc. Okay. Alors, hop, je vais prendre ma manette aussi, parce qu'on est hyper équipés, on a une manette chacun. Le mode photo, le mode difficulté, tout ça, on s'en fiche. T'as déjà joué à celui-ci, alors ? Non, lui, je ne connais pas du tout. Enfin, j'ai vu une vidéo vite fait. Qu'est-ce qui continue de bloquer ? C'est qu'il est mis à jour, je pense. Elles sont débloquées de base. Et pour le coup, lui, je crois qu'il est inspiré de la légende du roi singe, un conte asiatique d'un roi singe qui doit aller vers l'ouest, un truc comme ça, j'ai pas tous les détails. Since the dawn of time, the sacred parchment has maintained the balance between worlds. Throughout the ages, dark forces conspired to undo that order. Eventually, they prevailed. Down from the heavens, fragments of the parchment were scattered across the land. And in their wake, fair became foul, virtue turned to vice. Now, wretched creatures roam the land, wreaking havoc and leaving chaos in their wake. Only four truly unruly heroes can turn back that dark tide and restore order to heaven and earth. Well, at least I'll give it a shot. Hop, nous revoilà. Moi j'ai une question. Est-ce que vous avez compris comme moi que le pouvoir du cochon c'est de vomir ou pas? Moi si... j'avais pas vu, hein, donc. Alors, bon, on va prendre ce monde là. C'est canon, ça donne trop envie. Hein. C'est très joli. Ouais. On va jouer en normal. Et alors, est-ce que le mode multi est débloqué dès le début? Ça, des fois, c'est pas toujours le cas. Ah, c'est pas. Et finalement, on joue ça. C'est pas du tout ce qu'on nous a vendu, enfin. Alors, donc, moi je suis le... Ah non, donc toi tu es le singe. Ouais. Et moi je vais prendre le gros balèze. Ok. Ah ouais, pourquoi t'as choisi le gros balèze, toi? Tu veux qu'on échange? Ah bah tu peux changer de personnage, si tu fais LB, la petite, petite gâchette gauche. Ah oui. Moi, je vais te le cocher. Ah oui, mais en fait, à volonté, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'il y a pas de... Tu choisis pas pour la partie. Hop. Comment je vais? La petite gâchette, c'est but dessus, celle-là. Ok. Bah c'est bon, on a le cochon chicken carne. Donc, A c'est pour sauter. On se déplace avec le joystick gauche. Ça c'est notre bonne fée peut-être. Oula. C'est l'esprit qui nous guide. Heroes beware. Though your fates are written, the road ahead is perilous. To keep the world from endless night, you'll test your limits against fearsome foes. Ok. Pas de pression, les gars. Tout va bien se passer. Ah, sa voix est un peu faible, cette déesse. Désolé, miséricorde. Je crois que mon singe s'impatiente. Allez, on y va. Oui, je pense à Dream Walker que c'est basé sur ce conte-là, ouais. Enfin, en tout cas, il y a clairement le singe avec le bâton. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, effectivement. Et on va... Oui, c'est carrément ça. Allez, on n'a pas le temps. Hop. Attends, il y a une pièce. Sauter plus haut et plus loin. Ah. Voilà. Double saut.
Ah, je peux. Attends. Je peux planer. Comment je plane? Oh, je bats des oreilles. Ah, oh, les super pouvoirs du cochon, ouais. Tu peux peut-être planer aussi. Si tu maintiens A appuyé pendant que tu... Appuie longtemps sur A. Enfin, très fort sur A. Ah non, t'as un double saut peut-être. Ouais, moi, il faut que je rappuie. Bah oui, alors mais que moi, ça j'ai... me permet pas d'aller aussi haut que toi. Ah, moi, j'ai pas de double saut, mais je peux battre les oreilles. Oula, attaquer. Yeah. Et comment on se défend? X, marqué en haut. Ah, j'ai pas l'habitude, moi. Je crois que je prends cher, là. Non, ça va. Oula. Oula, c'est plus long. Ah ouais, super cochon, quoi. Planer uniquement avec 5 Zang et Kion. Aïe, moi, je veux planer. Ah ouais. Toi, pas. Je suis où, moi? T'es en bas. Attends, j'appuie sur B. Ah non, je t'ai téléporté. Est-ce que... Alors en fait, j'ai l'impression que quand la caméra est... Quand on n'est pas dans la caméra, on est téléporté sur l'autre joueur, j'ai l'impression. Ah, d'accord. Mais là, sinon, j'aurais dû appuyer sur B pour te libérer le passage. Oh, attention, un parchemin. Félicitations. On débloque une illustration. Ok, c'est la déesse. T'as retenu son nom, toi, ou pas? Non. Non, c'est la miséricorde, mais... Ouais. On vous aime bien quand même, hein, madame. Ah, elle était super sympa. Ouais. Oula. Qui m'a envoyé du feu? Non, c'est moi qui me suis téléporté sur toi. Ah. Stop right there. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Hein? Bah, je pense qu'on en a affronté assez. Enfin, j'espère, parce que sinon. D'accord, ok. Merci, madame. La déesse de la miséricorde. Vas-y, appuie sur B. Attends. Attention! Ah! Reviens! Non, reviens. Vas-y, appuie sur B. Ouais, c'est bon. Donc là, t'as chargé la lanterne. Oh, ils sont bloqués, regarde, ils sont mignons. Ils nous attendent. Ouais. C'est quoi P1? P1, c'est toi, c'est Player One. C'est le joueur 1. Attention! Oh, Tu t'es transformé en méga cochon. Quand je fais plein de fois X, je fais les combos. Vas-y. Moi, je fais quoi? Oula. Ah, je t'ai pas. Ah! Je fais du lancer. C'est pas très sympathique. Ok, je suis psychic, mais quand même. Attends, il y en a encore là. Ah, bah, tout s'en va quand tu passes dessus. Ouais. T'as quelque chose à dire, peut-être? Ça me rassure. Allez, on parle à droite. Ah non, ça glisse. Non, bon. Non, toi, tu peux. Ok, d'accord. Je te suis. En même temps, je peux pas aller par là-bas, ça. Moi, je peux pas, en fait. Ouais, t'as la pièce à récupérer, là. On a 21 pièces sur 100 dans le niveau. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'il y aura un boss, peut-être? Oh, wow, you gave me a fright. I didn't expect to encounter such c'est pas une gentille. Eh ouais, on est beau gosse. Ouais, elle est un peu louche quand même. Je joue mal la comédie. Oh mon Dieu! Oh non! Attaque de longue portée, Y. Oh, je crache des flammes! Sur du bois, quoi. Ouais! Moi, j'ai l'impression que ce que je fais, ça sert pas à grand chose. Ah, attaque, ils sont très forts. Attaque spéciale, LT et RT en même temps. Ah, j'ai envoyé mon bâton, t'as vu? Pousse-toi, youhou! Oh! Poussez-vous! Madame? J'ai fait un bruit de ballon qui se dégonfle. C'était donc pas du vomi, nous dit Codecarno. Enfin, à quoi que. Ça a l'air assez petite quand même. Ouais, c'est vert, vrai. Hein, ouais. C'est. Tac. Ok. Est-ce qu'on arrête là peut-être? T'es où, cochon? Je suis décédé.
Théo Couchon. J'ai un nom. Bon, je me souviens plus non plus. Ah, je suis là. Ah, bah, c'est ton âme. Il y avait pas un truc avec la lanterne justement là-dessus? Bah, si on est tous les deux éliminés, je pense. Ah, donc t'as changé de personnage, on peut plus prendre cochon. Aussi, peut-être. Tu vois, on peut plus. Ah non, on peut plus prendre cochon. Non. Oh mon dieu, pauvre cochon. Bon, voilà. Bon, il aura fait son temps. C'est super pas très cool. Longtemps. C'était Unruly Heroes, du coup. Hop, donc développé en 2019, développé par Magic Design Studio, c'est Peggy 7. Ça coûte 20€ et ça se trouve par contre sur tout, sur Steam, sur Twitch, sur Switch, sur PS4, sur Xbox One. Ça joue jusqu'à 4 joueurs, du coup on peut jouer chacun les 4 personnages. Et pour les personnes qui ont aimé Rayman Legends par exemple et qui l'ont fini, bah, ça peut être un très bon palliatif. Non, c'est pas le bon terme. Un très bon. Substitut, merci. Pas du tout palliatif, pardon. Substitut. Pour Rayman Legends, quand on l'a terminé. Elle est un peu flippante, la statue au fond, là. Elle a un sourire un peu inquiétant. Ouais, on sent qu'on n'est pas chez. Ouais, c'est pas chez les alliés. C'est quoi. Pas les gentils. Hop. Et go, c'est très sympa. C'est pas compliqué. C'est très joli. Il y a eux, je sais pas trop c'est bah quoi, oui. Mais j'espère que ouais, c'est un peu moins classe que le casting de base, quoi. Hop. Alors, quelle heure il est? 18h52. Bon, on a pris un peu. Le temps passe vite. On a pris un peu de retard. Donc, on a vu quoi? On a vu Unruly Heroes, on a vu Symphonia, on a vu Puppy Cross, on a vu Vignette. Moi, j'aimerais bien voir Monster Expedition, que je connais pas du tout. Mais il paraît que c'est un très 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 bon jeu. Ok. Donc, moi, je propose d'aller voir lui. Hop. Monster Expedition, sorti en 2020. Développé par Dracnet, Peggy 7, 15€ sur Steam, c'est aussi sur mobile, et c'est un jeu de puzzling, donc d'énigmes, pour le coup. Est-ce que tu veux essayer? Ouais. Eh bien écoute, tu peux faire jouer, je pense que ça se joue... Du puzzling. Je sais pas à quoi ça se joue, est-ce que ça se joue à la souris ou à la manette? Essayez la manette, je pense, avec le joystick. C'est quoi? Ben... Je suis une patate. C'est trop mignon. C'est vrai que c'est un petit peu une patate. Tu es bloqué par un arbre. Ok. Oh, j'ai beaucoup de petits coups de pied, genre. Oh, derrière, je peux pas les casser. Bah ouais. Ah, la musique est très bien. C'est détente. Ouais. Qu'est-ce que... Ah ouais, je peux pas avancer comme ça, ce serait hyper drôle. Ça va pas l'air. Pas celui-là en tout cas. Essaye de... Ouais, t'as l'autre arbre qui est là. Ah, tu peux annuler les coups. Ah. Ouais, vu que c'est un jeu de puzzle, tu peux revenir en arrière, okay. J'imagine. Ah bah, ok. J'hésite apparemment. D'accord, ok, tu peux pas monter. Ah, faut vraiment que ce soit... Alors, attends, B, pour annuler... Non, c'est ce que tu faisais, B, j'imagine, pour revenir en arrière, réinitialiser l'île et regarder autour de vous. Tu peux lire. Là, il me demande de lire. Alors, gauche vers le haut, je pense. Juste le joystick gauche vers le haut. Musée pour humains, modèle réduit. Les humains fraises, musée couvert, les monstres ne sont pas... T'es dérouté, surtout. La poussière, je te concentre à l'extérieur. Puis, les experts ont récemment soulevé l'idée que garder les objets à l'intérieur pouvait faire... pour cacher et stocker des collections bien dérobées du musée. Ok. Est-ce que... Non, c'est bon. Est-ce que je dois faire quelque chose avec ça? Bah, je pense qu'il faut continuer, en fait. Ah, bah, tu as l'arbre, okay, tu as cet arbre-là. Ah, est-ce que là, tu t'es pas bloqué? Annulons. C'est magique. Donc là... Non ! Ah, ça marche comme ça, d'accord. Ah mais oui, c'est logique, il roule. Ah oui, mais dans l'eau. Ah là, oui. Mais... Si, on refait la même chose. Oh, non. Le bourrin, quoi. Il peut pas faire doucement. Est-ce qu'il faut pas le couper, d'ailleurs? Oh. Ah. Ah oui. Pas mal. Comment j'ai fait pour le relever, tu sais? Ah, pas comme voilà. Ça, en avançant depuis la coupe. Ah, je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Là, faut que t'ailles en haut à droite. Peut-être plutôt par là. Moi, je suis pas très bon au jeu de puzzle. Ah oui, comme ça. Ah oui. Un socle. D'accord. Les socles servent à ce qu'on ne pense pas que les biens soient perdus. Mmh. Il faudra que j'aille par là-bas. Ouais, là. Ah, si, là, j'ai peur que si je le relève, il tombe dans l'eau, non? Non. Et là. Mais non, j'aurais pas si, tu le remets dans l'autre sens. Ouais. Il a tendance à s'asseoir dès qu'il est au bord, dès qu'il est au bord de l'eau. Ok, c'est bon. Oh mon dieu, un choix. À gauche. Ça, c'est le plus simple pour eux. Un certificat d'excellence. Placard des réparations. Mais il est superbe. Donc nous sommes dans un musée pour monstres sur les humains. Mais t'es hyper forte en fait. Je sais pas. Ce petit bonhomme me fait vraiment rire. T'aimes beaucoup la forme patate. Ouais, il a pas de visage. Et c'est une petite patate qui s'énerve sur les cailloux. Et... Oh là. Une petite patate qui s'énerve. C'est un méchant caillou. Tu veux essayer? Ouais, carrément. Moi, je suis pas très bon, par contre. Ok, c'est bon. Une pancarte de queue. Les Angleterriens, les fameux Angleterriens, adoraient faire la queue. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais ils expérimentent. Effectivement. C'est pas faux. Ah, c'est ça. On peut voir le musée. Tout ce qu'on n'a pas débloqué reste dans la brume. Quoi. Oula! Téléportation. Ah oui, c'est pour me téléporter d'une boîte aux lettres à l'autre. Ouais, mais c'est gigantesque! Oh là là! On peut faire un zoom arrière. Voilà, donc pour ceux qui aiment les jeux de puzzle, il y a un monstre à droite là. Pour ceux qui aiment les jeux de puzzle, il y a de quoi faire visiblement. Hein. Non, pas du tout ce que je voulais faire. Si tu le pousses. Non, je peux pas le pousser, là, je saute dessus. Ah, ouais, c'est ce que je voulais faire. Exactement ce que je voulais faire. Des fausses vacances. Des fausses... Incroyable. Là, il faudrait faire genre ça. Non. Si ça. Ça. Non. J'ai tout cassé. Je suis sans. Non. Ça, ça, ça. Pas du tout. Bah non, même pas parce qu'il roule pas dans l'eau. Ah non. T'as vu où est-ce qu'il faut le mettre? Faut le mettre ici. Ouais. Mais comment on le met là? Bah attends, en tout cas sauter dessus et en fait il sera dans l'autre sens quoi. Si je fais Y, ok. Tukem, c'est quand même des personnes qui défoncent des arbres à coups de poing. C'est vrai que. C'est des monstres avec une très grande force. Ah, tu peux pas? Ah non. Ah mince, il aurait fallu qu'il se retrouve dans l'autre sens, le tronc. Ouais, mais... Ah oui, j'aurais pu... Comment je fais? Bah si, tout bêtement. Attends. Non, je peux... Ouais.
Tac. Attends, mais comment je peux le mettre dans l'autre sens? Si, comme ça. Et tu peux pas faire passer un tronc sur un tronc, demande Adri Dreamwalker. Bah peut-être. Mais quel tronc sur quel tronc? Si, là, comme ça. Là. Pas du tout. Comme vous aviez fait. Et vous mettez celui de dessus au bout de celui dans l'eau. Comme ça. Ah, mais oui. Ah. Pas bête. Comme ça. Deux troncs horizontaux qui se suivent dans l'eau à gauche. Exactement. Oh. Mais super. Heureusement que vous êtes là. Et là, ça je fait peux... un bon radeau. Et là, je peux aller ici. Ça commence à devenir trop compliqué pour moi. Hop. Il y a un arbre géant à droite là. Poteau et corde. C'était une note le couillard d'eau, effectivement. Le couillard d'eau était assez étendu. Mais ça a marché. Il y a tout le mal. Incroyable. Le mur invisible. Si ça croit que c'est un bon jeu, c'est que j'ai pas envie d'arrêter. Mais il va falloir. Ah oui, quand même. Non. Bah très bien, ce petit Monster Expedition. J'aime beaucoup ça. Un peu plus détente, quoi. Ouais, il est beaucoup plus tranquille. Ouais. La petite musique tranquille. Même graphiquement, j'aime beaucoup. Il est très joli. Moi, j'adore Monsieur Patate. J'aimerais vraiment savoir ce que c'est. Avec son petit sac à dos. Bah, c'est un monstre. Un monstre, mais ouais. Il n'y a pas de dieu, et puis des petits coups sur les rochers. Mais oui, pas content. Enfin voilà, donc c'était Monster Expedition. Donc combien j'ai dit 15€ sur Steam, donc pas très cher hein, pour le coup. Sur mobile aussi. Sur mobile, peut-être il est un petit peu moins jouable, je sais pas. Je suis bloqué. Peut-être un petit peu moins jouable sur mobile, mais bon, à voir. Ah ouais, faut que je pose cette note. Ce serait hyper cool qu'on puisse continuer à avancer. Oui, juste en marchant sur les rondeaux. Voilà, par Darknet, et sorti en 2020. Ce moonwalk. Ah, j'ai fait le moonwalk sur le... Hop, sauvegarde, veuillez patienter. Et quitter. Alors, on a le temps de faire un dernier, je pense. On est déjà en retard. Alors, on en fait un dernier, ça te va? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Farland Sales... Coucou Ratru 20, comment vas-tu? Tac, tac, tac. Est-ce que tu es plus pour un jeu d'énigmes? Un jeu de plateforme? Ouais, plus énigme, plateforme. Comme tu veux. Comme je veux. Ouais, j'ai pas de préférence. Le chat, plutôt énigme ou plateforme? Je vais pas vous dire quel jeu, bien sûr, c'est trop facile. Ah mais incroyable, j'avais pas vu, mais il y a Ménétique de Rosé qui nous parle. Je pensais que c'était Nimaël, vu que c'était le même nom. Énigme, nous dit Nimaël. Sachant que je vous donnerai la liste des autres jeux. Hein. Plateforme, ah mais il faut que quelqu'un tranche. Loutre. Je vais en retard, mais je vais bien, très bien. C'est le principal. La Ménétique de Rosé est partout et nulle part, oui. C'est beau, mais ça nous dit pas... Ben oui, il faut qu'on mette un sondage, mais... Il y a un truc pour les sondages, mais... Allez, il faut que quelqu'un tranche. Médiathèque de Rosé. Tranche aux grandes médiathèques. Plateforme. Allez. Et ben du coup, on va jouer à Hu. Qui est, lui, sur l'Epic Game Store. Hop. Hu, qui va peut-être faire penser un petit peu à Symphonia, vu le, d'un point de vue contrôle, j'imagine. Donc, Hu... Développé par Fiddlesticks en 2016, qui est un petit peu plus vieux celui-ci. Peggy 3, 15 ans sur Steam, sur Switch, sur PS4 et sur Xbox One. Et édité par Curve Digital, ça se joue à la manette visiblement. Est-ce que je commence du coup à le tester? Ouais, vas-y. Hop. Et d'après ce que, d'après press l'image qu'on a vue... Start. Ah, il est en anglais? Effectivement, peut-être. Certains jeux sont en anglais. Et d'après ce que... Attends, j'ai mis... Hop. Tu peux te recentrer un tout petit peu si tu veux dans la caméra. D'après ce que j'ai vu, c'est là de jouer beaucoup avec la couleur. Déjà, on a une coupe de cheveux absolument fabuleuse. Oh, j'adore. En plus, elle bouge quand tu cours, t'as vu? Ça, c'est les vraies coupes de cheveux. Dear
curse you. Oh, I've had the most dreadful luck. That's not good. I feel terrible that you've been left alone this time. The traitorous Dr. Gray tried to steal the annular spectrum. A ring I developed to allow perception and alteration of color. Ok, donc le Dr. Gray veut voler le... l'anneau qui permet de comprendre les couleurs. Donc j'appuie sur A pour sauter, je me dirige avec le joystick gauche. So on serait dans le mono world, tu penses? I left for the university where I hid away the colored tools I had created. I pray you have found what is left of the ring. Oh, une copine. On dirait qu'on a un enfant du coup. Et ah, pour le ouais. coup, on est sur un mix plateforme énigme pour ce jeu. Donc tout le monde est content. Oh mon dieu, non. Le docteur Gray. C'est lui ? Non, je sais pas, mais il avait un look un peu méchant. D'un coup, je pense à 50 nuances de Grey. C'est pas du tout le même personnage. Sans rapport. Ah, on faisait un rêve. Ah, tout va bien. Voilà. Des livres. Ah, par contre, t'es dans une boîte. Ah. Je suis une boîte. C'est pas cool. Ah ouais, c'est... Ouais, la vie n'est pas fun, hein. Non. Ah, c'est marrant, ça fait un peu penser au... à ce qu'on voit sur les vases grecs. C'est les, ah, les oui, vases antiques. Ouais. Il y a un jeu qui est entièrement dans ce style-là, dans le style vase grec, où tu joues un héros grec pour le coup qui doit sauver son, sa vie, un truc comme ça, et qui est entièrement dessiné comme si c'était une poterie grecque. Oh, la couleur. Donc les autres boutons ne font rien. Ok. C'est assez joli, ouais. D'un point de vue artistique, c'est les nuages derrière, ça me fait un style plus asiatique. Explorons, explorons. Ah. Hello. U, c'est toi? Ah, donc U, c'est nous. Oh, merci, mon Dieu. Je suis prévenu depuis les jours. Aide-moi à sortir d'ici. J'avais pas entendu des bruits bizarres, ça me fait peur. Je suis doubleur professionnel. Ok, mais... mais je... Bah je I can't do anything. Je reviens. Tu vas pas l'abandonner? Bah je... Je pense que j'ai raté un truc. Il est pas sur les mots. Ça c'est joli. Je suis rentré là-dedans. Oui. Adri, est-ce que par hasard tu te souviens quand tu l'as fait si on peut aider ce pauvre Joel Miner? On apprend que Ratru est vraiment daltonien. Bah ouais, mais... Désolé, mais... Je peux rien faire. On peut pas le laisser tu comme ça. Tu l'aideras plus tard, je crois. Bah, on va devoir le laisser comme item, ça. Mais alors on va où, là? J'ai fait toutes les portes du village. Il y en avait deux, je crois. Je suis qu'un enfant. Voilà. C'est pas un pur. Dans le puits, non. Ça fait partie des poussées. Ah là. Ah oui. Là. Non. Zut. J'y ai cru. Zut. Les fenêtres là peut-être. J'ai été tout à gauche. Non, je n'ai pas été tout à gauche. Allez, alors, si les jeux commencent, il faut aller sur la gauche aussi. Oh, ah, bonjour, monsieur. Pêcheur a attrapé un... Qu'est-ce que c'est que l'Eclipse ? Je ne sais pas. Une étincelle, je crois. Quelque chose. Quelque chose de pas habituel.
En bas du phare. Ok, donc là on ne peut pas y aller parce qu'il y a ce gros bloc jaune. Apercevoir. Oh là ! Un bout de bleu. Un bout de bleu, littéralement. Oh, la roue du couleur, le l'annular quelque chose. Oh ! Ah, c'est bien plus joli. Ah ouais. T'as un message. Vous avez un beau message. Vite, allons voir le mineur. Quelque chose qui nous relie. Ah, ça c'est une grande question. Est-ce qu'on voit le même bleu ? Est-ce que le mot bleu pour toi et moi a la même signification ? Ah, et donc là, ça m'invite à utiliser le joystick droit. Ah, et du coup, vu que tout est bleu, le bleu disparaît. Et les rochers ont disparu. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Oh, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Je suis sauvé. Merci. On va continuer ce jeu-là juste pour que tu doubles, c'est trop bien. Et du coup, j'imagine qu'on va découvrir d'autres couleurs et qu'il faudra jongler entre elles. Oula, ça a l'air sympa, ça. Enfin, je sais pas, la tête de démon en cascade. Du coup, j'imagine qu'il faudra alterner entre les différentes couleurs pour passer les obstacles, des machins comme ça en même temps. Oh, il faut arrêter l'eau. Ah, je suis mouillé. C'est un jeu britannique. Aucune idée. C'est Fiddlestick Games. Donc si quelqu'un peut regarder pas l'origine, mais la nationalité de cette boîte, c'est possible. C'est sans doute une boîte anglophone, pour le coup. Dans les boîtes françaises qu'on a vues, il y avait Symphonia, il y avait Puppy Cross. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui étaient des boîtes françaises. J'aimerais bien trouver une autre couleur, vite fait, mais bon, on va pas non plus... Où on va faire la couleur qu'on change de... Oh, une dame. Oh, bonjour. Startle, tu me regardes peut-être? Je repose juste mes jambes. Je ne joue pas trop de la cascade. Tout près de la cascade. Ok. Basé à Londres, bien vu. Et oui, on confirme que Nîmes est un studio londonien. Oh là, on va éviter de tomber. Oh, une caisse. Est-ce que tu veux essayer peut-être? Bien joué, petit bonhomme. Un petit peu. Ah oui, non, il faut que je prenne ta manette. Ouais. Je suis coincée. Voilà. c'était super. si tu la tires et que tu l'utilises et que tu la retires de l'autre côté. Ok, c'est très joli, c'est un petit peu reposant aussi. Mais peut-être qu'il y a plus d'histoire effectivement que dans Monster Expedition qu'on a vu juste avant. Tu partirais à la caisse de l'autre côté pour la ramener. Ah, mais attends, mais ça sera bloqué. Ah, ou alors enlève la couleur. Avec le joystick droit. Avec le joystick droit. Ça se trouve, il y a un bloc. Pas du tout. Laisse, tu mets sur du noir. Comment je fais pour le sélectionner? Tu lâches juste quand t'es au-dessus. Ah non, même pas. Non, j'ai un avis. Parce que. Et là, tu peux. Oh, si, peut-être que ça peut. Le saut peut se faire, peut-être. Oui. Oula, attention. Il est pique. Donc là, faut que je mette. Mais non, faut que je laisse comme ça. C'est rien, je vais y arriver. Non, mais je réfléchis aussi. Je suis à peu près là, non? Ouais. C'est ce que j'aurais fait pour le coup, mais on est loin je du. Je pensais que ça passait. On est loin du. Voilà, si tu te mets sur la caisse et que tu enlèves le bleu.
tu vas rater. Enfin, tu... Ah, mais je vais être loin du coup. Bah ouais, mais comment tu peux être plus proche? Ou alors au moment où ça tombe, il faut que je... Ah ouais, peut-être. Alors tu m'as dit... Et là tu choisis le bleu. Et tu marches. Oh mais si, parfait. Bien joué. Oula. Alors là, faut que j'aille en haut. Ou à droite. Il y a aussi des blocs, des briques. Au secours, je n'ai pas d'idée. Bah si t'enlèves le bleu là. Et tu peux sauter jusqu'à droite. Tu crois que ça passe? Oh oui. Ouais, mais j'aurais voulu prendre l'échelle, moi j'aime bien faire compliqué. C'est facile là de sauter. Ouais, mais là du coup, si tu sors et que tu re-rentres, ça sera plus bleu. Parce que le bleu a l'air de partir quand tu changes de niveau. Go back. Ah non. C'est mieux, bah, c'est mieux, je pense. Et si je le fais au moment où je suis sur le truc, il m'arrive quoi? Au moment où t'es où? Parce qu'une fois que t'as mis bleu, tu peux pas l'enlever. Ah bon? Bah j'ai l'impression. Au fur et à mesure de l'avancée du jeu, il y aura de plus en plus de couleurs, ça va complexifier de plus en plus. On peut le voir, mais on peut pas le changer, effectivement. Ah, ou alors c'est quand t'auras deux couleurs. Tu pourras passer du bleu au genre orange pour que les blocs bleus apparaissent. Qu'est-ce qu'on a dit? Je n'ai pas joué premier. Ah non! Non, c'était pas bon. Bon, on a vu, on va voir ce que ça fait d'être recommencé. Oh, ça va. Alors là, il faudrait. Ah bah si, si tu te mets tout à gauche et que tu fais le bleu. Ah ouais, ça fait le chemin. On voit que t'as l'habitude, hein, parce que. Ah, à force, je joue au jeu vidéo. Oula. Alors là, je veux pas que j'enlève le bleu, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Ouais, bah ouais. Là, j'enlève. Ouais. Ça te fait un chemin. Ah, j'espère que tu veux passer, que le tien est bloqué. Oui. Ah, il y avait encore une échelle en haut. Oula. Il va falloir courir. Ouais. Courir et rattraper l'échelle, quoi. Même pas sûr que l'échelle te sauve. Ah non, oh. Elle a pas... c'est un peu... ah, le petit bruit de craquement est un peu terrible. Ok, donc faut aller hyper vite. Allez. C'est parti. Oh merde! Pardon! Zut! Flûte de zut! J'avais pas vu le... Préviens-moi! Et pourquoi il va là? Ah mais l'échelle elle est là pour bloquer en fait. Ah ouais, en fait, c'est pense pour... vraiment c'est pour... faut que je saute court quoi. Ouais. Faut te laisser tomber limite si tu peux. De la cascade. Oui. C'est bon, t'as le temps. Tu me dis si tu vois quelque chose. Là, tu peux monter, je dirais, à l'échelle. Bien vu. Redescends, voir. Est-ce qu'il y avait un truc tout en bas ou pas? Parce que du coup, il est tombé sur les blocs. Peut-être que... Ouais, voilà. Oh oui, une potion. Ou de la science. Un de science. J'ai un super pouvoir ou pas? Je pense pas. Tu dois avoir les 28 sciences peut-être, mais... du coup, je vais pouvoir remonter et reprendre l'échelle, tu crois? Ouais, je pense que du coup, les échelles servent à remonter. Puis on arrêtera peut-être après. C'est vrai qu'il est plus calme, mais un petit peu... pas déprimant, mais Ouais, la musique est... Bah non, on peut pas parce que c'est une tour finie. Un peu... pas angoissant, mais un peu triste, un peu... Oh mon Dieu! Peut-être qu'on peut couper là. Le suspense! Ça fait un cliffhanger. Tac. Et voilà! Donc c'était Hu
Ou U, je ne sais pas comment on le dit. Ah, c'est l'histoire d'un enfant qui a perdu sa mère. Ah oui, bah, j'avais pas compris ça du tout. Hop, on va retourner en plein écran. Effectivement. Et du coup, effectivement, c'est l'ambiance. Du coup, c'est un peu plus effectivement tristoun ou. Ah non, attendez, hop, je reviens ici vite fait. Donc c'était U, 15€ sur Steam, Switch, PS4 et Xbox One, et sur beaucoup de choses aussi. Les jeux qu'on avait, qu'on n'a pas parlé, on n'a pas montré Farlon Sales, un jeu de 2018 par Okomotive, qui est un jeu d'aventure où on joue une petite fille, je crois, qui monte dans une espèce de machine à vapeur, qui part pour un voyage et qui doit du coup comprendre comment fonctionne la machine, pour la faire avancer, la réparer, etc. Qui est un très joli jeu. Peggy 7, on n'a pas montré Churchill, un jeu par Amanita Design et par un. Est-ce que j'ai le nom par. Développement. Dessiné par Jaromir Placci, bon, je lis sans doute mal, qui est un dessinateur de livres pour enfants, qui est un petit jeu d'énigmes, du coup, plus pour les enfants, donc Churchill. Icelander, qui est un peu un petit jeu de puzzle qui coûte que 5€ sur Steam, où on doit poser des bâtiments, on donne un marché et le marché fait 5 points par toute maison qu'il a autour de lui. Et du coup, il faut placer les maisons de façon à pouvoir mettre un marché au milieu. Okay. Les pêcheries font des points négatifs s'ils sont proches des maisons parce que ça fait un peu une mauvaise odeur. Donc il faut mettre les pêcheries assez loin, mais proches des fermes d'algues, etc. etc. Okay. Et du coup, tu t'aménages une petite île pour faire une grosse ville dessus à la fin, pour faire le plus de points, passer à l'île suivante, etc. etc. Et c'est très sympa, Icelander. Par Grizzly Games. Et The Pedestrian, 2020 par Skookum Arts, qui lui est un jeu de puzzle, d'énigme complètement, de puzzle. Chouchel, moi. Ah ouais, pas Chouchel, Chouchel. Et donc The Pedestrian, qui est un jeu en fait qui part du principe de tous les petits panneaux, tu vois, des petits personnages, genre le panneau toilette, le panneau attention, enfin le. Comment dire. Piéton, arrêtez-vous pour les feux rouges, etc. Mmh. Et il faut jouer avec ces panneaux pour faire des espèces de parcours. Et tu contrôles un petit personnage, justement, qui vient d'une porte de toilette et d'accord. qui doit se déplacer de panneau en panneau. Et tu dois réarranger les panneaux pour faire des chemins pour continuer ton aventure. Ok. Et du coup, tu déplaces les panneaux pour faire des routes entre eux. Tu dois revenir en arrière, etc., etc. Donc, un petit jeu de puzzle. Adric, pourquoi tu parles en rouge, Adric ? Ah oui, c'est que tu as... répondu. Ouais, moi je dis chouchette. voilà, donc c'était 6, on en a fait 6, 7 peut-être. Non, 6, j'en ai cité 4, donc on en a fait 6. Des nouveaux jeux à Mediatek qui sont malheureusement pas jouables. C'est un peu, c'est un peu ça qui est terrible. C'est pas du tout frustrant. C'est qu'avec le Covid, malheureusement, l'espace jeux vidéo est fermé. Mais quand il réouvrira, vous pourrez les découvrir sur les PC de la Mediatek. Sur les PC de la Mediatek, il y a une trentaine d'autres jeux nouveaux qui attendent sur PS4 et Switch qui ne sont pas du tout sortis parce que, bah, vu que l'année 2020 était un peu compliquée, c'est des nouveautés qui ne sont pas sorties. La médiathèque, on le redit, est ouverte. N'hésitez pas à venir pour emprunter des livres, pour rendre les documents que vous avez. L'abonnement est gratuit pour toutes et tous à partir de maintenant. Les horaires d'ouverture, donc, c'est mardi après-midi, mercredi toute la journée, fermé le jeudi. Oui. Vendredi après-midi et samedi toute la journée. C'est ça. Je voulais dire un truc, mais j'ai pas oublié. Et si, Polystyle, il y aura sur le site de la médiathèque où il y a toutes les informations, les changements d'horaire, etc. etc. Oui. En direct. Dès qu'on a des nouvelles directives, c'est sur le site que c'est annoncé. Et pas hésiter également à vous inscrire à la newsletter aussi là sur le site pour recevoir directement dans votre boîte aux lettres, dans votre boîte mail plutôt, je dirais. Les gens vont s'y mettre sur les nets dans votre boîte mail, recevoir les nouveautés, les annonces des prochaines émissions, mais également les différents horaires, changements d'horaire, etc. Il y a tout ce qui concerne la médiathèque. On a aussi un collègue qui s'occupe de faire des petites trouvailles sur le web. Oui, effectivement, les trouvailles du web. Voilà, plein de choses. C'est ça, les trouvailles du web ? Oui. Ouais. Donc beaucoup de choses. Dans la newsletter, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi, je crois que c'est Arthur qui a fait un manga du mois. Oui. Et qui l'a mis dans la newsletter. Je ne sais plus c'est quoi le manga du mois. Je ne sais plus. Et peut-être je ne vais pas dire de bêtises. Eichil 21 peut-être. Et oui, le Serial Gamer Cup. Voilà, mais comment me flique Laura. Effectivement, il y a également des partenaires à nous. Merci Laura pour une séance Twitch sur les trouvailles du web. Bah, ça pourrait carrément se faire. On pourrait faire avec Nicolas, on pourrait carrément faire ça. Enfin, Nicolas, quelqu'un d'autre, peut-être carrément faire ça. Effectivement, il y en a beaucoup de trouvailles du web.
Donc, on pourrait carrément faire ça. Il y en avait une que j'avais mis, c'est un jeu où tu contrôles le bateau qui s'est bloqué dans le canal de Suez. Et du coup, tu contrôles le bateau, il faut que tu arrives à traverser le canal sans te bloquer. C'est hyper dur. D'accord. Enfin, moi, j'ai pas du tout réussi, en tout cas. Donc, effectivement, le réseau, comme dit Médiathèque de Rosé, donc le réseau, c'est un événement annuel qui a pas eu lieu en 2020 aussi à cause du Covid, organisé par le SGC, donc le Social Gamer Club, qui est une association de jeux vidéo sur Rosé, ouverte à toutes et tous, et je crois que c'est gratuit. Je touche mon masque, faut pas le faire. Et ils font, donc cette année, ils refont un réseau, qui est la troisième ou quatrième édition. Il sera entièrement en ligne, encore une fois à cause du Covid, ou pratiquement entièrement en ligne. Voilà, donc Laura vous a mis le lien pour le SGC. On relaiera sur notre site et dans la newsletter, je pense, toutes les informations pour ce réseau. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à aller voir, à faire un tour sur leur site. Ils sont super. Ils ont un Discord aussi, si vous voulez parler avec eux, vous inscrire. Je crois qu'ils font des permanences actuellement. Enfin, peut-être pas durant le confinement, mais avant le confinement, ils faisaient des permanences. Donc si vous êtes sur Rosé ou dans le coin, et que vous voulez discuter de jeux vidéo, etc., ça peut carrément être une bonne association à connaître. Le live qu'on vient de faire, du coup, va se terminer. Ça t'a plu ? C'était top. Ouais, c'était cool. Mm. Très content de l'avoir fait avec toi. Vous retrouvez le replay sur YouTube, soit demain, si on a le temps de le mettre, sinon ce sera la semaine prochaine. Et le prochain live, ça sera le samedi 29 mai. Médiathèque de Rosé, si tu as l'heure, j'avais un petit doute sur l'heure, peut-être 19h, mais j'ai un doute. Non, peut-être 18h. Vu que c'est un samedi, mais j'ai un doute. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le thème de cette émission du samedi 29 mai, ça sera... La BD. La BD, exactement. Je t'ai peut-être pris un peu au dépourvu. Ouais, heureusement, j'avais la réponse. ça s'appellera l'apéro bulle. Bon, l'apéro, il sera chez vous, hein, pour le coup. On ne pourra pas le fournir. Mais effectivement, ça sera donc les bibliothécaires qui apporteront leur coup de cœur BD. Tu le feras, toi, ou pas ? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas trop encore ? Moi, je le serai, mais je ne vous dirai pas quel BD j'ai choisi. Un point pour Mélanie, bravo Mélanie, t'as gagné un bon point. Ouais. Je pense que j'ai tout dit. Prochain live samedi 29 mai, la chaîne YouTube, le site, la newsletter, le réseau et le SGC sur Rosé, la médiathèque est ouverte. Est-ce que tu penses à d'autres trucs ? Non. Non. Ne pas hésiter, mais tu l'as dit tout à l'heure, à suivre sur le site internet dès que la situation évolue. Ouais, c'est vraiment ça. On met à jour toutes les informations. Encore ton amour pour Picsou. Ouais, mais Picsou n'est pas sorti cette année, effectivement. Oui, ce sera un coup de cœur BD, deux BD sortis en 2020 et 2021. Et je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de sorties de Picsou en 2020-2021. J'ai pas encore fini celle de Don Rosa. Bah, du coup, on va vous dire au revoir. Bonne soirée. Merci à tous d'avoir suivi. Vous étiez une dizaine en moyenne, ce qui était quand même vraiment bien. Merci beaucoup. On espère que ça vous a plu. On vous dit à bientôt, donc dans un mois à peu près, pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à voir sur la chaîne YouTube et les petites vidéos qui sortent de temps en temps. Peut-être que Médiathèque Rosé, si tu peux mettre un petit lien vers la chaîne YouTube. Puis bah voilà. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Et on passe l'écran de fin. Et je coupe le micro.